C'est Lectas, aujourd'hui on se retrouve en 4.3 avec mon Firefly, tout plein moche, tout bien cubique. On se retrouve avec Burnel et Yasgar. Salut tout le monde! Bonjour. Et du coup voilà. Bon, on va essayer de faire mieux que la dernière fois, les gars. Oh non, la dernière fois t'as fait un truc bien, mais j'ai filmé pas. Nier. Enfin, je filmais plus en fait, parce qu'au début je filmais. Mais Oui. j'ai dû arrêter à cause d'un incident externe. Loul. C'est quoi ce dernier Loul. 217 là? Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est un dernier J? Oh merde, c'est un dernier J. Putain, c'est un dernier J! Yeah! Premier kill! Ouais, mais tu me dis c'est cool si tu me l'as piqué. Bon, d'accord, c'était une vache volante, mais bon. Ouais, puis tu le prenais pas en face à face. Je suis sûr, il t'aurait pris en face à face, il t'aurait défoncé. Non, peut-être pas. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Ça Bah, se c'est un trouve, je suis dernier moitié J! réparable. Peut-être. Accessoirement, c'est ce qu'il a comme armement, le dernier J? Il a 4 canons de 20. Des Fogwoof 200 C, c'est chiant à mourir. Lectas, je te ramène un truc derrière, je sais pas ce que c'est, mais. Mais barre-toi, s'il te plaît. Allez, deux kills. C'est un 61, je sais pas pour un kill 61. Mais Ils essaient de nous mettre de la supériorité aérienne par les. putain, je l'ai critiqué dans l'élévateur. Il y a un LA5 qui s'approche près du J'ai un mode bomber. BF-109 F1 au cul. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait extrêmement sympathique. Mais personne n'est gentil. Bah voilà, j'ai plus d'élévateur. Je suis Je mort. sais pas où t'es. Tout ça, Ah c'est à si, t'es cause de là. vous. Mais mec, t'es à 7 km aussi. Comment ça? Tout ça, c'est à cause de vous. Ouais. Non. Si. Trouve-toi des Vous. excuses, trouve-toi des excuses. Vous. C'est Ouais. uniquement vous. Moi. Bande de lâches. Et sortez. C'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. C'est de la Oula. lâcheté, c'est de la lâcheté. Non, non. Oh, oui. J'aimerais bien un peu d'aide pour défoncer le Guabamba. Ils sont perchés à 4000. Je suis à 3008. Tu Je peux sais monter, quoi? mais Tu te si. démerdes. Exact. Voilà, cordialement. Voilà. Mais il y a gavé de bombeurs! On s'en fout. Tu te démerdes, je t'ai dit. Tout va voir, c'est les Japonais sont pourris. Les Japonais sont pourris. J2M. Le Ouais, j'ai Blename deux. qui essaie de tuer le Henschel. Désolé pour le téléphone qui sonne. Oh, quelqu'un répond? Bon, quelqu'un répond ou je vais être obligé de te kicker ou d'arrêter la vidéo. Non, c'est bon. Coucou Itik, I've been the tree. Yeah! Dégage! Dégage, tu m'énerveras plus. Genre, on me l'a piqué. Bon, je vais faire mon premier team Vas-y. kill en vidéo, ça va être drôle. Ah non, que c'est bon. Non, t'es sérieux, vas-y, Je faut pas. crois que je l'ai déjà tué. Non. Ah non, dommage, je voulais bien. Non, mais là, il est trop loin de toute façon. Mais si je le. Si, fin d'année, ça me casse les couilles qu'on me pique mes kills. Surtout quand je le critique, le mec il a plus d'élévateur, il a plus d'aileron là, avec ses ailerons qui se sont barrés, son élévateur qui s'est barré, on me l'a piqué quoi. Parce que moi j'ai arrêté de tirer parce qu'il y avait les mecs devant et on l'a piqué quand même quoi. Je déteste ça. C'est juste des crevards les mecs qui piquent des kills comme ça. Je sais, mais faut pas. Don't trade. Non, mais. Bah, vas-y. La communauté de Enfin, en joueurs plastique, Thunder elle est ces vraiment nulle armes-là. à chier, hein. C'est horrible. Bah, il y en a, oui, il y en a d'autres. Oh mais la plupart du temps les mecs c'est des crevards. I16, putain de merde. Ouais, c'est juste qu'ils jouent chacun J'en ai pour leur truc. marre Ben des alors, Lectas, I16. t'es un peu derrière? Rappelle-toi qui a fait 12 kills la partie d'avant. Bon, d'accord, j'en ai fait 8 ou 9. T'en as fait 8. Donc voilà, tu la boucles. Putain non, sérieusement, je déteste les I16. Les I16, c'est les fils de pute, les mecs qui jouent en I16, ils ont pas d'honneur. C'est des avions merde les I16. Oh, la petite rage. J'ai toujours détesté les I16. I16, type 27, type 28, j'entends. Les autres, ça va, ils sont pas cheatés. Ils sont bons, ils sont Ouais. corrects, mais les I16, type 28 et type 27, c'est des avions que quand je les sors, moi je bute que les I16 et type 27, alliés ou ennemis, peu importe. C'est Mais sérieux, quand tu je sors tues. un de ces deux avions, je fais que des team kill ou enfin que des avions cheatés, quoi. Parce que ces Non. avions, ils me cassent les couilles, c'est un truc de ouf. Même Ali, tu les butes. Même, allez, je vois un I16 type 26 ou type 28 dans mon. Enfin. Qu'est-ce que tu dis? Les I16, ils sont faciles à tuer, regarde. Ouf! Bon, En d'accord, deux kills. les derniers de face, ça fait mal. Ah, je t'ai coupé la Mais toi, t'es moitié quand d'un même 20 km.20 000 mètres. Les premiers quand même 20 000 mètres, ils sont surpuissants. Surtout depuis la mise à jour, là, notamment la 6M3, moi je me suis défoncé plusieurs fois Ouais, par un SM3. ils sont peut-être puissants, mais ils sont pas costauds, hein.
Et quoi? Ça, faut pas l'oublier, c'est... Et non mais c'est un truc de ouf, c'est les I16 ils sont en fait c'est ça, c'est des F8F mais en encore plus résistants et plus Allez! chiants. C'est clair, enfin, Je sais pas si tu te rends compte quand même, les mecs ils utilisent des I16 en jet et ils font des kills. Il est bah tellement oui. pété cet avion que... Les jets, ils se disent, oh, une proie facile, une proie facile, tiens. Enfin, je sais pas, mais il n'y a aucune nation où tu peux prendre un avion comme ça et tu fais des kills comme ça Les au mecs, calme. prenez des bombes pour aller choper les destroys. Non, rien à Mais foutre. sérieux, t'aurais pas pu le dire avant, je viens de lâcher les deux que j'avais. Non. Mais Et genre, il n'y a que frère. 3 au cul, c'est pareil, ils vont cheater ça. Non, les Bah, yaks, ça va si encore. c'est pas le yak Enfin, oui, 3P, c'est ça. ça Si c'est passe. pas yak 3P, ça passe, mais j'ai l'impression que Oui, c'est yak 3P. Hein. Oh, un immonde. Et non, mais les Russes, ils me cassent les couilles à un tel point. Enfin, non, pas tous les Russes, certains avions russes. Est-ce qu'avec une bombe de 250, je peux tuer Oui. un destroyer lourd? Oui. Destroyer lourd, je suis pas sûr. Croiseur lourd, pardon. Croiseur lourd, je sais pas non plus. Destroyer, oui, mais les autres, non. Putain, mais. Va pour les destroyers! Genre, d'accord, donc je tourne pas mieux qu'un Focke-Wulf A4, en 6 Hurricane. Foutage de gueule monumental, sérieux. Salut! Oui. D'accord, j'ai plus de balles, je vais me faire buter. Putain, il me Ouh, casse coup les couilles. critique dans le A4. Ah, t'as mal, hein? Je déteste les Allemands, là. T'éteindras pas, petit Focke-Wulf, dommage. Fais de beaux rêves. Voilà, allez, dodo. Ok, c'est décidé, je vais sortir le Typhoon là. Je vais plus rigoler là, ils vont chier les Allemands. Wouah! Wouah! Il y a un destroyer, il vient de me mettre un coup de canon dans l'aile. Ça fait plutôt pas du bien. Je sais pas pourquoi je me fais buter, à vrai dire, je m'en fous, mais. Tiens, arrête de suivre mon copain! Connard. Et c'est moi qui vais me faire buter? Non, même pas. Ah, ah vous, t'as le seum. Qui, moi? Lectas, please! Ramène-toi! Ça va, je suis à 3 km. Voilà, t'es mort. Vas-y, dégage. Ta gueule. Ensuite, elle a 5. Je vais prendre une bombe de 105 kilos. Prenez des bombes les potes, hein. Là La faut la flemme. gagner. Non, je bon, oui, moi de la gagner, je m'en fous. J'espère qu'on va la gagner. Hein. Parce que j'aurais pu Ouais, prendre des... J'aurais oui. pu prendre 2 bombes 2000. Ah merde, j'ai fait une connerie. Oh putain, non, ça passe. Mais limite. Heureusement qu'il a relevé. Hein. S'il aurait pas levé le nez, il serait pas monté. Je me serais bouffé la flotte. Oh, un I-16. Tous les coups, c'est un I-16 type 27 ou type 28. Ah, I16. Go, go, Grave! Je lui ai mis un critique, mais il n'a absolument rien à battre vu que c'est un I-16, forcément. go, go, go. Voilà. Va chier en enfer, connard. Lectas. Je déteste les I-16. Je sais, mais t'es en vidéo, bro. Rien à foutre. Y'a Focke-Wulf sur Cher Lectas. abonné, si tu joues en I-16 type 27 ou type 28, sache que je te déteste. Tant de haine. Beaucoup critique. Celui qui finit le feu. Connard. Mais viens pas sur moi. Merde, j'ai plus de balles. Ouais, la même. Je t'ai eu, dit-il en s'écrasant comme une pauvre merde Rien pour le croiseur lourd. à foutre. Moi, je me sacrifie pour mes alliés, mec. Ouais. Pas pour. Tu te prends pour un Jap, hein, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Qu'est-ce qu'il y Yasgar le a? Jap, hein, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il y a, espèce de Tu raciste? devrais prendre des bombes en plus, Yasgar, c'est ton rôle, mec. Ben, je t'ai dit, j'en avais, mais tu m'as dit trop tard pour les garder, alors du coup, je les ai jetés. T'as jeté les. Bah oui. T'es Le dur. critique, mais il va me le voler, je le sens arriver, Il y ça. a deux destroyers, les mecs, c'est. Non! Bon, de toute Espèce façon, j'ai plus d'idiot! d'avion avec les bombes. Du coup. Idiot! Moi là, je transporte Imbécile! une bombe. Mais. Il vient de me Il faut tuer deux. deux cibles au sol ennemi pour gagner. Et il faut Non, qu'ils deux. une. Non, deux. Ils ont Et 104 moi je tickets. m'en fous, Si moi t'en il tues une, ils est auront 4 tickets encore. raciste.
Donc si tu tues une cible au sol ennemi, ils vont se foutre de ta gueule, ils vont dire ah non il reste anti-Kain, lol. Il y a Yakovlev et un Spitfire qui sont sur le... Je vais arriver peut-être un peu tard. Il reste 4 tickets mec. 4. Aura-t-il le temps? Fais gaffe, il y a Yakovlev pas loin. Yes! Victory! Bitch! Bon bah voilà, burn, 9 kills, 3 cibles au sol, 1 assistance et 3 morts. Yes. 2504 points. Tout le monde l'applaudit. Bon, enfin non, tu me diras non, il est en allemand donc c'est un crevard. Crevard, je sacrifie. J'ai sacrifié au moins 4 avions sur un site. Bah t'avais qu'à apprendre, à bombarder hein. Bah ben oui, mais bon, quand t'as 5 minutes de reload, t'as 5 minutes de reload. Bah tu vas recharger, écoute. Yeah, elle était belle celle-là, GG les pattes. GG les pattes. On ne s'en fait une ? Allez. Allez. Celle-là, tu la gardes. Ah oui, celle-là, je la garde. Y a pas eu d'incident externe venant à me faire chier, du coup, je la garde. Toujours avec les deux autres débiles, là. T'as toujours rien compris, c'est ça ? Non, pas raciste, c'est juste que t'es débile. Là, t'es raciste. Oh, si je suis face à face avec un faux groupe. Oh putain. Les mecs, ils sont vraiment en paquet, quoi. Là. Bon. J'aime pas trop. Bon, par contre, j'aime pas quand un mec met ses fumigènes. Ça fait totalement débile. Et en plus, on est repéré à 10 km. Bon, ça va, on est dans l'arcade, donc on s'en fout un peu. Allez, demain. Mais en histo, c'est un peu chiant. Il me suit toujours la trace, l'autre, en fait, ou pas? Et ouais. Surtout, ne monte pas. Ah oui, on est coordonné. Oh le con. Si tu me rames, je te jure que je te bute. T'es en train de le mec qui regarde même pas devant soi, j'aime. Ça fait un kill gratuit. Mais en plus, je vois pas devant moi. Oh. Par contre, vous allez m'énerver les potes si vous me tirez dessus. Et si vous m'énervez, c'est mon connard. Ah, ça fait mal ça. Genre, je lui ai bien coup critique, mais ça lui a fait aucun dégât. J'aime bien quand ça fait ça, c'est très drôle. Non, mais mon speed. Pas ma faute si tu suis à la trace à un PGM, tu vois, du coup t'as pas de kill. Et de 3. Mais t'es sérieux, mais. Joint. Toupie volant. Ouais. J'ai un. J'ai un F2 à 3 au cul, quoi. Putain, il m'a mis une balle dans le moteur, l'enfoiré. Il t'a mis un coup de 12-7 dans le moteur. Ouais. La crainte. Il va se bouffer le seul. 12-7 dans ce tir, ça fait plutôt assez mal. Mais le gros problème de ce. En fait, je crois qu'ils ont remis depuis la mise à jour la 12-7 américaine au bout du jour. Parce que avant, la 12-7 américaine. Mais là, je me suis fait one shot à plusieurs reprises par des avions qui jamais n'auraient one shot avant. Mais ça, c'est bah, pas. Bah ouais. Genre un. Ils ont nerf quelques avions, ils ont rajouté de la puissance sur date. Un F4U, un A. Il m'a one shot, mais genre explosé. Genre, on retrouve plus mes ossements, tu vois. Et genre avant la mise à jour, ça jamais quoi. Bah normal. Ils ont OP quoi. Ouais. Oh il est pas OP parce qu'ils tombent pas si bien que ça. Mais... Par contre là il y a masse de monde et il va... on dirait c'est toute une team quoi. Alors nous notre côté on a 3 escouades en face ils en ont 2. Oh tiens, un bâtard en SS team 27. Là vous voyez là en plus il est en team là, je fais bien le buter. Donc il est où? Il s'appelle Hérocle. Ah, il est là. Oh, parfait. En plus, c'est lui que j'ai ciblé. C'est genre au pif, tu sais, je l'ai ciblé. Parfait. Je vais le ruiner. Je vais le bouffer. Oh, coup critique. Toi, t'es mal. On ruine le I16 ou pas? Ouais. Ouais, par contre, il a failli me buter là. Donc, c'est bon. S'il a failli te buter, c'est-à-dire qu'il est passiblement derrière toi. Ce qui fait que putain, on va voler les kills. Qu'est-ce qu'ils ont un faux cul là? Merci. Et du coup voilà. Par contre, il y a un truc que je me demande. Est-ce que Action enregistre l'Overwolf? Parce que sinon, enregistre, il y a tous les en bas à droite, les machin, c'est connecté. Machin, vous avez envoyé un message. Du coup, je sais pas. J'espère pas, tu vois, mais. Là, j'espère pas non plus. Mais genre, comment c'est qu'il a pris aucune balle lui? Et pourquoi mon feu s'éteint pas? Plouf. Bon là il s'éteint du coup mais Dis qu'il l'acta ça passe. Il y a problème. J'aime bien problème. C'est propre. C'est quoi et tout ça. Si kill, ah ouais si kill. Ouais bof.
Bof, d'accord. Bah, en air domination, c'est les Allemands qui priment parce que c'est de la grosse mêlée. Ouh là là, le P26. Le P26, il est à moi. J'aurais mes Allemands, j'aurais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de kills. Je m'en fous, le... ce P26, il est à moi. Non, quoique là, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Il a voulu me ramener, lui, c'est obligé. Je vais faire gaffe, quand même. Allez, non, faut pas qu'il cap, là. Faut pas qu'il cap, faut pas qu'il cap. Faut pas qu'il cap. Ah, c'est bien. Les mecs qui rament. Bah ouais, bah quand t'es dans l'eau, faut que tu rames, sinon t'avances pas. Ils ont pas de vie, ces mecs-là. Ils ont pas de vie. Bah non. Comment ça, ils ont pas de vie? Bah non, du coup, vu qu'ils te rament, ils s'écrasent. T'es con ou quoi? Bah c'est vraiment de la mousse, les avions allemands. Hein. De la mousse? De la mousse. Les japonais, c'est du carton. Les allemands, c'est de la mousse. D'accord. Ils sont cheatés, les allemands. Je joue avec. Bon, le mec, il arrive, il met deux balles, je suis en dessous. Et après, je m'écrase. Il se fait du kamikaze, ça dépend. Il y a des mecs en l'air, ils vont essayer de cap hein, à tous les coups. Bah, tant mieux pour toi, écoute. Bon, bah, allez. Allez, hop, dégage. Oh, il en fait P36 Hawk. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là avec les P26, P36 Hawk, tout ça? Ah merde! Faut que tu me diras, le P36G là, il est en 3-0. Hein, donc. Ouf, le mec qui m'a mis un d'aide. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Pilote inconscient, je déteste les pilotes inconscients. Ça me casse. Bon, tu me diras, mon avion était pas mal endommagé. Du coup, il aurait pu me tuer. Autre pilote inconscient. Du coup, tiens, ça. Mais quand on a. Quand, tu sais, quand t'as pas. Je déteste moi, quand t'as même pas le schéma, tu sais, et que tu te prends un pilote inconscient. Dernier avion. Oups. C'est en gros, son avion, il a aucun putain de dégâts. Il a rien du tout. Par contre, t'es mort. Ah, va falloir que je fasse attention. D'accord, donc en fait, après avoir sorti le I-16-27, avion cheaté, il sort le Yak-9T. Avion encore. Non, pas encore plus cheaté, parce que plus cheaté que l'I-16, ça n'existe pas. Mais il sort un avion qui est bien cheaté aussi. Oh, donc, si, 185, c'est cheaté. Non, 185, il est pas cheaté, clairement, non. Oh, c'est clairement comparé au Yak-9T et I-16-27, non, il est pas du tout. C'est une brêle hein, comparé à ces avions, ils sont complètement cheatés. Bon, là, ce qui me. Les 185, mine de rien, faut savoir le jouer. Hein. C'est ouais. Avant, je suis d'accord, les Russes étaient pétés, les 185 compris. Maintenant, c'est les Allemands qui priment. Hein. Les Russes sont plus si cheatés que ça. Hein. Il y a certains avions russes qui sont comme I-16-27 qui me donnent envie de gerber, mais mais les autres, ils sont pas si cheatés que ça. Hein. Donc après, oui, il y a quand même bon, il y a quand même un plus grand nombre que dans les autres nations, mais les. Il y a un mec avec son bomber, il sait pas quoi faire, donc il monte. Là, c'est les bombers. Ouais, les butez pas les bombers, ça sert à rien. Et allez, one shot. 999. Putain, il y a 1000 points là, il y a rien. Les mecs, du coup, donc après, ça, il y a plus d'avions de cheatés chez les Russes que chez les Américains, par exemple. Mais parce qu'il y en a des avions cheatés chez les Américains. Désolé, c'était trop tentant le bomber. Là. Mais chez les Russes, il y en a quand même beaucoup. Mais chez les Allemands, il y a que de ça, quoi, des avions cheatés. Putain, 6 coups de canon, merde. J'ai un Spitfire MK5B au cul. Pourrais-je avoir de. Ah putain, j'ai un faux cool, faux cul. Pourrais-je avoir de l'aide ou c'est trop demandé? Mais t'es où? C'est trop demandé. Bah dans le tas là. Tu vois, il y a un petit point vert, bah c'est moi. Je recharge en fait là. La dépêche. Merde, j'ai plus de balles. Saleté. Ah, je viens de me faire critique par un P26, mec. Ça craint quand même. Okay. Le mec il sait pas quoi faire de sa vie franchement avec un KI-49 mec. Quand tu sors le bombard c'est vraiment que t'es désespéré. Hein. Ou que t'as plus d'avion. Ou que t'as lâché CK4. Le CK4 c'est un tueur ce truc, c'est ouf. Non c'est un KI-49 hein, donc c'est le bombard. Ouais, parce que la CK4 c'est un truc, j'ai fait tellement de kills avec la CK4, c'est. Putain. Est-ce que je descends leur en mettre un gros boom and zoom dans la tête? Mais ouais. Oui, tu devrais même pas te poser la question. Oh mon dieu, face à face, P26. Ah non, c'est bon, il me prend pas en face à face. Ouais, sinon, je serais mort. mec qui troll. Je crois que j'ai un autre P26 au passage dans la partie. Et du coup, voilà. Mais voilà. Oh merde! Si tu veux faire du kill, tu prends l'H6K4 en 2.0, il est en 2.3, tu fais une moyenne en 2.0, et mec, tu tout quoi, c'est il est violent.
Parce que les 20 lumières qui sont dans ta queue, tu les ruines. Après, à part si t'as des lacs 3 qui t'arrivent dessus ou des yakins, mais sinon tu les ruines. Et ouais, il est à moi, cherche pas, tu l'auras pas. Bah vas-y, 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 prends-le, prends-le, prends-le. J'suis pas suivi, mais il faut que je remonte recharger moi. Et j'ai un P400 aux trousses. Et c'est pas très très gentil, Lactas. Bah pique. Ah bah, d'accord. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Bonjour. Bah tu voles. Bon là. Putain, j'y avais pas pensé. T'es en avion, je sais, mais tu penses pas. Tu voles. Bah tu pourrais rouler hein, techniquement, t'as des roues aussi donc t'es pas obligé de voler quand t'es en avion hein, c'est réfléchis 2 minutes. Alors, hein. P51, 5-4. Arrête non, de non, voir, non. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, voyons. Oh là là. Oh le P51 qui monte. Oh le P51 qui monte. Ah putain. Y'a trop de mecs autour de moi. Oh il est mort, ça sera un de tirer. What? Non me dis pas que j'ai plus de. J'ai plus de batteur. Je suis mort. Quoique. Là. Je suis mort. Ah. Je sors le Spitfire MK5B et après je sortirai le monstre. Canaï capture à 22 000 pieds. Putain, qu'est-ce qu'il faut à 22 000 pieds le mec? Il va me tuer. T'es sérieux? Je suis un B? T'es pas fou? Mais pourquoi il est débile? Qu'est-ce qu'il faut à 22 000 pieds l'autre con là? Y'a des P40, hein. Franchement c'est simple à choper ces trucs. P40? tu dirais pas ça si c'était moi un P40, hein, crois-moi. Oui, mais toi t'es bon, les autres, bon, c'est des brels quoi. Regarde, le mec il s'est même pas visé, je suis en F1. Bon, t'as fini de me tirer dessus ou. Moi ça me saoule les gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui jouent que. Qui jouent qu'une seule nation, les Russes ou les Allemands. Il m'énerve. Yasgar, t'as du mal à faire des kills ou quoi? Mais normal, il est en. Ah non, il est pas en japonais. Mais normal, il est en BF109 B1 Lite. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah oui. C'est tellement violent le BF. Assistance! Tu te fous de ma gueule? Ouh, du coup, voilà. Ouh, à la volée! Bah oui, mais du coup, voilà. Parce qu'il y a de ces perles dans certaines nations, pas forcément des avions de cheatés, parce que le Spitfire MK2 là que j'ai actuellement, il est pas cheaté, faut savoir le jouer. Si tu sais pas le jouer, le Spitfire MK2, tu te fais lâcher la gueule, mais tu vois, faut les apprendre à les jouer. Moi, le Spitfire MK2, je l'ai énormément joué, je l'ai appris à bien le maîtriser. Channel, timed out. Burn? Ouais! Donc c'est pas toi qui a timed out. C'est non. Bon à savoir. Donc je disais, ouais, faut savoir les maîtriser, pareil, il y a le P51, faut savoir le jouer, mais quand tu sais le jouer, c'est une perle, le P51. Ah oui, c'est clair. Si tu sais le jouer, c'est juste monstrueux, un P51. Bah ouais, mais ça me saoule que les gens, ils le voient pas, ça, enfin, ça me dégoûte, parce que les mecs qui jouent à War Thunder, ils ont une seule nation, ils ont tous les jets d'une nation, ils font que ça, c'est... Que les jets ou les. Enfin, que les. Au début, je partais dans ce principe, après, je me suis dit non, c'est vraiment. Non, mais après en fait, c'est. Moi, quand je dis ça, je critique que les mecs qui font juste allemand ou russe parce qu'ils sont cheatés. Quand tu fais une seule nation, mais que c'est que les japonais, là, bon, t'as. Là, il y a un garde par contre à choper, là, ça va être casse-pied. Et je suis juste en dessous de lui, mec, t'es au courant. Je suis même sûr au-dessus de lui, là, même, t'es au courant. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Tu prends le garde, je prends le Willy. Ça te va? Si, ça t'éclate. Mais tu vois, faut se spécialiser, enfin à la limite, moi tu vois je suis pas spécialisé dans une nation parce que du coup voilà, mais moi non plus. Mais je pourrais me spécialiser, moi j'aime beaucoup beaucoup les Américains et les Anglais, tu vois, du coup je pourrais me spécialiser dans ces deux là ou même les Japonais, mais jamais je me spécialiserai dans les autres nations, enfin dans les Américains, dans les Allemands, les Russes, et jamais je me spécialiserai dans ça. C'est encore les Américains, je suis assez spécialisé, je joue assez bien, même très bien, sans vouloir me vanter, la plupart des avions américains. Les Anglais, j'ai un peu de mal encore avec certains avions. Les Américains, c'est pas facile à jouer, mais c'est ouais, une manière. C'est comme le F4U, moi je le joue, je fais des massacres avec, mais tout le monde me dit, ouais non, il est impossible à jouer. Il est impossible à jouer. Non, mais moi je te parle du F4U1, le F4U1C, évidemment, il est cheaté. Mais le F4U1A, tout le monde dit, ouais, il est nul, tout ça, mais non, faut savoir le jouer, quoi. Ah non, le F4U1A, il est très très bon. Moi je le trouve monstrueux cet avion, même dès mes débuts avec cet avion j'ai fait des monstres kills avec ce truc. Non bah oui. Après j'ai commencé à spécialiser, mais tu sais au début quand je suis passé du F4U1D ou F4U1C. Au début en fait
Je jouais full russe et ça me saoulait. À la fin, ça m'a saoulé parce que je sais pas, j'ai trouvé plus mon bonheur. J'ai testé les Américains, putain, c'est tout un autre jeu, c'est trop bien. Ah oui, non, mais en fait, c'est. Et les Allemands, c'est sur cheaté. C'est ça, les Allemands, tu vois, je les joue pas mal parce que ça rapporte plein de fric et c'est drôle parce que tu fais des monstres kills, mais tu vois, je prends pas particulièrement de plaisir à jouer en allemand parce que c'est complètement cheaté. Moi, je m'amuse quand je joue en anglais ou en. Ah oui. Ou en japonais beaucoup. Maintenant les Américains, j'ai un peu fait le tour, du coup je joue presque plus en américain. D'ailleurs j'ai bloqué le speedrun. Moi aussi, c'est dommage parce que maintenant que j'ai les jets, je les joue plus. Je monte les apnations. Ouais, c'est ça, moi aussi. Surtout les Allemands. Parce que bon, bah voilà quoi, puissance de feu. Mais tu vois, enfin, à la limite se spécialiser dans une nation, tant que c'est pas les Russes ou les. Parce que tu peux pas spécialiser en russe. Ils ont, en fait, les Russes, ils sont polyvalents, mais de ouf, tu vois, en fait, les Anglais, ils sont, en fait, c'est comme les Russes, mais en moins, parce que les Anglais, ils sont polyvalents, mais ils sont pas trop excellents partout, les Russes, ils sont excellents partout. J'aime pas les Anglais, parce que leurs 7-7, elles font pas mal, t'as pas énormément de coups de canon à tirer, donc faut vraiment que tu sois super précis, que tu saches vraiment où tirer. Bon, par contre, le turn fight... C'est juste monstrueux, ils t'en fight comme un monstre. Bah non, les japonais t'en fight mieux. Hein. Ouais, mais la puissance des canons, moins, hein, quand même. Ouais, mais après... Un anglais en arcade peut t'en fight un Japs. Hein. Si le Japs s'est joué. Si le Japs s'est joué, non, clairement non. Ah, mais s'il manie bien QED pour... Pour bouger les ailes au bon moment, ça fait des massacres. Hein. Tu peux éviter de te faire tuer, ça je suis d'accord, en anglais, parce qu'ils sont assez bons, mais tu pourras jamais t'en fight un japonais s'il sait jouer. Ah oui, mais les attenations... Les attenations, oui, je suis d'accord, mais encore, ça dépend lesquels. Les FUTF, pareil, si le mec sait un minimum le jouer, les FUTF, il est pété, ça je suis d'accord. C'est con qu'ils aient mis les mitraises M2 maintenant. Et il est toujours aussi pété, mec. Non. Si, il est clairement toujours aussi pété. Si tu sais viser avec des mitrailleuses, peu importe, tu mets peut-être. Je sais viser avec les mitrailleuses. Tu mets peut-être 50 balles de plus à le tuer, mais mec, il est toujours aussi cheaté. Il tourne fight comme un dingue. Le FUTF est pété parce qu'il monte bien. Il a une putain de vitesse, il est putain de maniable. Tu tourne fight. Son seul défaut, c'est que. Non, en fait, il en a pas. Un japonais, j'arrive à le turn fight en FUTF. Bah oui, c'est ça. En historique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois pas que j'étais en vidéo, mais. Le K84 au-dessous et le K84 A, tu peux pas les jouer en historique. Clairement, tu tombes sur deux types d'avions, les FUTF et les jets. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai. Ça, c'est casse-couille. Après, si, des fois, tu tombes contre les Russes. Par contre, nos jets, ils en prennent une quand même. Les jets Rinkin, par exemple, quand je joue en Panthère. Moi, je tombe contre du Meteor, hélas. C'est difficile. Ouais, ouais, je suis d'accord. Les jets américains. Tu vois, je tombe contre du japonais et c'est encore plus difficile. Les jets américains, quand ils sont pas full, ils sont extrêmement durs à jouer. Et sinon, tu tombes contre les Ki 200. Ouais. Moi, tu vois, je mais le Ki, je sais pas. T'as jamais joué avec un Ki 200 T'as jamais joué avec un Ki 200 Moi, j'ai pas joué avec le Ki 200, mais j'ai joué avec le même en Rikin. En allemand, le ME63. C'est impossible de toucher avec. Je sais pas si c'est pareil pour les Japs, ça, je crois pas parce que. Non. Mais c'est impossible de toucher avec. Faut vraiment avoir de l'expérience en historique et dans le ME63 pour toucher avec. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais dans mon carnet de vol avec cet avion, je crois que j'ai fait un seul kill en historique. Oh. Ouais, mais c'est un avion. C'est un avion un peu d'arcade quand même aussi. J'ai fait 2 kills en historique pour 9 morts. Oh. Et tu t'es fait tuer par quoi? Bah parce que moi en fait c'était... En ME163B tu peux te faire tuer que quand tu te poses. Il est couple. Non, même pas hein. Tu te fais tuer par les sabres hein. Oui bon d'accord les sabres ouais. Et tu tombes contre les sabres mais voilà après c'est ça tu vois là pareil cet avion là il a deux défauts c'est son carburant et ses munitions. Il a pas beaucoup de munitions. Après c'est dur de toucher avec en histo je parle là c'est dur de toucher avec mais ça je pense que c'est juste un coup de main à prendre. Mais le FUTF il a pas de défaut. Oui. Après, fait deux belles parties, au moins ça me rattrape. Ouais, bon bah voilà, moi je pense que je vais. Oh, j'ai trouvé le site de ta vidéo. Quoi? Burned se rattrape. Non, la vendetta de Burned, ça c'est plus drôle. La quoi? La vendetta. C'est quoi ça? Vengeance, en gros. Ah. Vas-y, ça là elle est bien. Ouais.
La vendetta de Bernhead. Ou la vengeance, si tu veux. Ouais, je vais être vengeance, parce que sinon, son petit poil va pas comprendre mon bref. C'est dommage, parce que maintenant que j'ai monté les requins, bah je les joue plus. Ouais. Non, parce mais... que là, je suis en train de rechercher un jet et j'en ai marre moi, de rechercher des jets. Moi, tu vois, moi, là, tu vois, je joue beaucoup les Allemands pour monter, pour les monter, pour les squad event. Faut que je monte encore mon G14, mais une fois que j'aurai ça, je pense que... Là, maintenant que j'ai un jet dans chaque nation... Je vais aller beaucoup retourner jouer les jets américains parce qu'ils me plaisent ouais. beaucoup. L'F9F et l'F2H aussi. L'F2H, tu vois, contrairement à ce que je pensais au tout début. L'F9F, tu fais des massacres. C'est un arcade ou en isto zoom de malade, le panthère. En isto tu ou en arcade zoom comme un fou. En arcade, descends, tu parleras sûrement. Tu descends à plus de 900 km/h, tu mets quelques en arcade, il parle. Oui, parce que oui. Et après, tu remontes. T'as vu ma vidéo du. Où je fais les compiles de kills en jet. T'as remarqué qu'il n'y a pas un seul des kills que j'ai fait en FNFF où c'est pas du Boomerang Zoom. Bah oui. Bon bref, moi je vous dis au revoir tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être en panthère, tiens. Pourquoi pas. Allez peut-être. Ouais. Non allez, mais tu... après tu vois il y a l'F2H aussi qui est bien mais ouais. En fait au début je pensais que l'F2H était vraiment cheaté mais en fait il est pas cheaté, il est assez dur à jouer honnêtement. En histo je parle. Toujours en histo. L'F2H c'est aussi une manière de jouer. C'est aussi du Boomerang Zoom. En arcade, mais... en arcade il est quand même pas mal cheaté mais en histo il est compliqué à jouer. Je dis pas qu'il est pas cheaté parce qu'il est cheaté quand tu l'as joué mais il est quand même assez compliqué à jouer. T'es en 7.3. T'es en 7.3 et c'est le même battle rating qu'un panthère. Ouais. Donc, et quand en histo tu tombes contre du 7.3, je l'ai vu, et je l'ai testé de mes propres yeux. En 7.3, avec mon panthère, je tombe contre du Mi-15. Allemand et vice. Et tu peux rien faire, ouais. T'as aucune chance. Le mec, il arrive sur toi, il te fait... Mais tu tombes contre de l'IL-28, et l'IL-28, tu peux le buter, mais il faut faire gaffe parce qu'il peut te buter aussi. Hein. L'IL-28, il est totalement cheaté aussi, ça c'est pareil. L'IL-28, il est très très cheaté. Cheaté pareil, en fait, c'est ça. On va arrêter de débattre, là, donc on va dire au revoir, parce que là, ça fait 5 minutes qu'on débat, là. Faut arrêter de débattre. Bon, bref, bye bye tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement en... Non, pas en char, en panthère. Voilà, avec 7 avions. Magnifique le panthère au passage. Surtout avec mon skin Black Eagle là. Bien stylé. Bon, t'as fini ou... Voilà. Bye!